Bonjour à toutes et à tous, c'est Linkus. Et me revoici sur Don't Starve avec, comme on peut voir, l'hiver qui arrive. Parce que bon, j'étais en train de faire mon petit de nouveau l'oiseau hein, hors ligne. Mais bon, là, l'hiver arrive, bon, ça fait quelques jours, bah, ça fait une journée et demie, je crois, que je fais mon oiseau. Donc il y a peut-être moyen qu'il débarque incessamment sous peu. Alors j'ai tenté 2-3 trucs. Ah, je me suis mis un poisson à sécher, une cuisse de grenouille à sécher. Je me rappelle pas si j'ai déjà fait ce genre de choses. Donc on va voir. Bah, j'ai continué mon piège là. C'est pas encore ça, mais voilà. J'ai continué mon piège avec les dents que j'avais sur moi. Je suis allé couper un peu d'arbres et à ma grande surprise, un arbre est devenu vivant, mais un tout petit. Un tout petit, ah je l'ai défoncé, mais il m'a quand même donné 6 bûches. Hein. Pas été salaud sur ce coup-là. Hein. Donc voilà, sinon rien de spécial. Hein. Voilà, très bien. Alors, oui, l'œuf. Non mais non. Ne va pas mourir sous mes yeux, s'il te plaît. C'est ici. Night Armor. Une armure de nuit. Ah voilà. Protège le corps, mais pas l'esprit. Ouh. Alors voyons. Ouais, ça danse, ça diminue ma santé mentale. Ouais, bon. De toute façon, quand on va à la baston, ça diminue la santé mentale. Donc, ouais, les pièges là. Les pièges. Ah, je voulais me faire un petit garde-manger en attendant. On va faire autre chose. Alors, ça. Ça. Ouais, je vais quand même le mettre dans mon camp. Ça me fera un téléporte au cas où. Ce qu'il y a. Oh non, je vais peut-être le mettre à l'extérieur. Ça fout la foudre quand même. Un peu le bordel. Allez. Voilà. J'aurais juste à mettre des gemmes violettes et à me faire le bâton. Hein, s'il faut encore que je fasse le bâton. Le bâton, c'est. 2 gemmes violettes et 4. 4 ombres. Ah, j'ai défoncé toutes mes ombres aussi. Ah, j'en avais refait un peu des ombres. Grâce au flair de maléfique qui traînait un peu à droite et à gauche. Mais mon œuf. L'œuf, il est où? Oh, ça va, il est là. Je croyais que. Alors, hop. Je vais me refaire un garde-manger aussi. Ce que je voulais faire, c'était des plumes. Hein. La bouffe, c'est bien, mais j'ai ce qu'il faut encore. Hein. Ok. Alors toi, toujours pas. Oui, l'hiver vient, ça on l'avait dit. On n'est pas les seuls. Voilà. Bon alors, est-ce que t'as faim, toi? Alors, il y a des graines par terre là. Et loulou. Bon, bref. Je vais essayer de ne pas le tuer tout de suite, celui-ci. Ça a l'air assez fragile quand même. Hein. Parce que bon, je voudrais me faire quand même quelques sarbacanes, hein, si c'est possible. Pour les géants, toujours, hein, même si c'est pas grand-chose comme dommage.
Au moins c'est du dégât à distance, peinard. Hein. Bon. L'hiver vient et qu'est-ce qu'on va faire pour l'hiver? Déjà on va se réchauffer. Que pourrait-on exploiter? Que me manque-t-il aussi? Pearl, Pearl Gem. Oh, je regarde vite fait hein, si je pourrais me faire quelque chose de vraiment démoniaque, mais là tout de suite. Ah ouais, voilà, ça je vais le faire. Ah, j'ai jamais trouvé l'utilité, compris l'utilité de ce truc, mais je vais le faire, on va essayer. À un moment. Ah, il me faut des ombres. Oh, les oiseaux. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de fleurs. Voilà. Il y avait quelques fleurs maléfiques autour de mon camp. Oh, c'est de la fleur classique, je m'en fous. Ah, je m'en fous. Je vais la ramasser en même temps, ça diminue, ça monte ma santé mentale en même temps. Voilà, ça. Je prends des fleurs classiques. Ça fait le yo-yo, hein. Ah, ça, c'est le bon plan là. Pendant l'hiver, je vais pas être embêté par les grenouilles, ça c'est cool. Alors, toi, le Tolbert, tu t'écartes bien des pièges. S'il te plaît. Me refais pas le coup, quoi. Quatre fleurs maléfiques. Oui? Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? C'est ça? C'est pour ça que tu cries? Tiens, je t'ai mis des graines au sol là. Je t'ai vu manger des graines. Non? Bon, bref. Écoute, t'as pas faim, t'as pas faim. Fais ce que tu veux. Enfin, dommage, j'avais espéré qu'il y aurait. Ah, si, peut-être là-haut. Oui. En revanche, je ne fais pas attention à la nuit. Oula, il y a un petit peu trop de grenouilles. Hein. J'ai pas envie que mon Tolbird il vienne à mourir. Ah, je vais éviter tout genre de désagréments. Hein. En attendant qu'ils soient un peu plus grands, au moins. Ah, il a déjà mis. Une éternité pour sortir de son nid, alors là, pour grandir, ça va être comment? Oh! Il est parti dormir ce con. Ah ouais, mais il s'est mis en boule. Oh, la petite boule! Le Pokémon, quoi, je l'avais dit. Qu'est-ce que c'est? Ah non, tu reviens. Ah, ok. Ah, j'avais espéré qu'il y aurait des fleurs maléfiques ici, de ce genre de trucs, des fois il y en a, mais. Mais là non. Ah, j'ai oublié de prendre le téléporte dans le marais, j'avais dit que je le ferais. Allez, j'y retourne. Il est là. Ah, mais j'ai. Hey, mais. Ah non, ça va, le fait pas ça. C'est bon? C'est tout? Ah, parce que j'ai attiré une grenouille. Je veux pas qu'elle aille bousiller mon Tolbird. Hein. Ouais, viens, on va se faire un feu. Ça fait un moment que j'aurais dû le faire le feu, mais on va se réchauffer. Hop.
Ouais. Ah, c'est blindé de grenouilles ici. Bah blindé, ça va. On a vu pire. Ah, j'ai plus qu'à prendre Glomer avec moi. Et ouais, si, c'est bien ça, manger les graines. Et là, c'est la fête, hein. Là, le cirque est plein d'air. Alors, t'es un attroupement derrière moi. Alors voilà, ce que... Ah, je vais doubler le volume, hein, minimum. Hein. Ah, une trace. Ah oui, j'ai dit que j'irais, mais alors est-ce que c'est une bonne idée avec le Tollbird? Je ne sais pas, mais allez. J'évite ce genre de traces depuis que je suis tombé sur un chien géant. Habituellement, je le fais pas. Hein. Parce que la fois où je suis tombé sur un chien, bah, un chien géant, un chien un peu plus balèze, un peu plus gros, ah, je l'ai pas vu venir. Hein. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, mais les traces m'amènent dans le marais. Et là, le Tollbird, il va prendre cher hein, dans le marais. C'est pas une bonne idée, faut pas que je m'arrête. Surtout qu'il y a une tentacule ici. Ah, il prend un coup de tentacule, lui, il meurt tout de suite, c'est sûr. Ouais, je vais prendre le téléporte, au moins. On va voir où ça nous amène. J'espère que ça m'amène pas dans un truc de fou. Ah, à côté de... Ah bah je l'avais pas vu. Autant pour moi. Oh, un petit coin paisible, paisible, hein. Mon Tollbird va pouvoir grandir paisiblement, tranquillement. Alors voilà, tous les animaux habituellement on peut les larguer. Allez, les animaux non. Bah non, parce que le cochon on peut pas le larguer, mais le cochon on s'en fout s'il meurt. Quand on se fait un pot de cochon qui nous suit. Et lui, j'ai pas envie qu'il meure. Oh, oui, bah oui. Pousse ses petits cris là. C'est l'œil de Sauron en fait, lui. Oh, le mini, quoi. Bon, je suis pour couper là. Faire plaisir. Il y a de la glande, il y a quelque chose là-haut. C'est quoi ce gros nid? Ah non, je vais pas les fighter de l'araignée. Pas tout de suite, hein. Vas-y, tu n'as plus de place. Voilà, ça attendra. Bon alors, je range. Ah ouais, non, j'ai un peu de bordel. Ma flûte, je devrais la garder sur moi, au cas où. Ah, vraiment au cas où, hein. On a vu, la plupart du temps je me trimballe avec cette... Oula. Avec cette flûte pour un rien. Ah, toi, Tollbird, t'es pas embêté par le froid, toi. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Il me répond en plus, c'est mignon. Tu vas où? Reviens. Viens te mettre près du feu avec moi. Ouais, voilà. Ah, on est bien. En famille. Ah, bah, je vais vous laisser là-dessus. Sur ce beau feu de camp. Oh merde! Oh merde! Ah, ça y est, je fous ma merde. Et Bon, bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Au revoir.